en couture. Merci, Monsieur le Président, et bon après-midi à vous et à tous les juges, ainsi qu'à toutes les parties. Avant que les objections soient mises en avant par la défense de l'examen concernant la liste qui nous a été transmise de 54 documents, je voulais, si possible, tenter de réduire le nombre de documents qui se trouvent sur cette liste, étant donné que, selon nous, 24 d'entre eux ont déjà fait l'objet de débats et parfois même de décisions de votre chambre. Et donc, pour ne pas perdre de temps et ne pas redébattre des mêmes documents, et notamment d'une douzaine de documents qui ont déjà été débattus hier lors de l'audience de l'après-midi, ainsi que d'autres documents qui ont fait l'objet de débats en 2012. J'aimerais, si possible, prendre 5 à 10 minutes pour donner la liste des documents qui, selon moi, ne devraient pas faire l'objet de débats aujourd'hui et en donner les raisons. Donc, je me tiens à votre disposition si vous pensez que c'est utile de limiter les débats cet après-midi à seulement les 30 documents, je crois, qui effectivement figurent parmi les notes de bas de page et que la défense a, avec raison, mis dans ce tableau pour faire l'objet des débats aujourd'hui. Mais comme je le dis, 24 ou autres documents ont déjà fait l'objet de débats et donc ne devraient pas Thank you, Mr. President. First of all, it's not my intention to go through each and every document, and the gentleman knows that. Our position has always been that we would do it by topics. Secondly, the 54 documents that we included in this part of the annex that we would be reviewing our chamber and about our which have been included in the annex. And also, we do not include a witness statement requested by the prosecution in its motion of E208.
ដែលមានលេខ E298 ពីរយចុចទំបីក៏ដូចជាឯកសារមួយចំនួនផ្សេងទៀតយើងយល់ឃើញថាឯកសារទាំងអស់នេះគឺជាកម្មវត្ថុនៃសវនកម្មនៅពេលអនាគតដូច្នេះខ្ញុំយល់ស្របជាមួយសារប្រញ្ញាថាប្រធានបទឬក៏ឯកសារមួយចំនួនគឺមានលក្ខណៈថាផែគ្នាទៅនឹងអ្វីដែលយើងបានលើកកាលពីម្សិលមិញ I am perfectly happy to submit our motion with the annex. ឬក៏ឯកសារមួយចំនួនរបស់USAID, UNICEF, WMK, Department of Defense, Similar to what we've been discussing. It sort of dovetails what he testified to, but we have those discretion. There are three CPK publications, minutes of meetings. There's one video titled What Happened to Cambodia, and then there's a power Which is a letter that was authored by Mr. Hitler. ហើយប្រតិបត្តិអ្វីដែលយើងនិយាយគឺវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងមូលដ្ឋានក៏ដូចជាបរិបត្តិដែលយើងបានឃើញក៏ដូចជាយុត្តាធិការពេលវេលារបស់អង្គជំនុំជម្រះដែលມັນគួរទទួលយកwith respect to the header letter, it is explaining. It bears underscoring that Hedder Summaries, Knung Nuko, Mian Kars and Kaib, no Lukas, and Pierre Bohinder, Jumui Luxray, Interrupt, was not admitted because it was found to be unreliable. Transcribing, and that was 1.5.2. គឺជាឯកសារអឺ 100 ប៉ាសិប្រាំចុចពីរដូច្នេះខ្ញុំគិតថាដើម្បីកុំឱ្យខាតពេលវេលាបេប៉ុនទៅនឹងឯកសារ USAID, UNICEF, and what have you, ក៏ដូចជាអង្គការ UNICEF និងអង្គការមួយចំនួនដែលខ្ញុំបានបញ្ជាក់នោះ We think the trial chambers should not take the content of these documents as valid, should not take the content of these documents as valid, should not take the content of these documents as valid, should not take the content of these documents as valid, should not take the content of these documents as valid, should not take the content of these documents as valid, should not take the content of these documents as valid, should not take the content of these documents as valid, should not take the content of these documents as valid, should not take the content of these documents as valid, should not take the content of these documents as valid, should not take the content of these documents as valid, should not take the content of these documents as valid, should not take the content of these documents as valid, should not take the content of these documents as valid, should not take the content of these documents as valid, should not take the content of these documents as valid, should not take the content of these documents as valid, should not take the content of these documents as valid, should not take the content of these documents as valid, should not take the content of these documents as valid, should not take the content of these documents as valid, should not take the content of these documents as valid, should not take the content of these documents as valid, should not take the content of these documents as valid, should not take the content of these documents as valid, should not take the content of these documents as valid, should not take the content of these documents as valid, should not take the content of these
These are my submissions. And I see the prosecution seems to be in a particularly combative mode this afternoon, so I wanted to make this observation. Okay, thank you. Thank you, Mr. President. Thank Monsieur le Président, j'avais fait une requête adressée à la Chambre et on a donné la parole à Maître Carnavas pour répondre à cette requête, mais il s'est étendu sur l'ensemble des objections, je crois, et donc j'espérais simplement qu'il puisse répondre à ma requête spécifique et puis par la suite, il puisse, selon la décision de la Chambre, soit de me permettre de dire quel document faisait double emploi avec d'autres, soit de le faire plus tard par écrit peut-être, mais qu'après il puisse faire ses objections, mais là j'ai l'impression qu'il a un peu mélangé les deux, et donc je ne sais toujours pas si la Chambre souhaite que je fasse la liste des documents qui ont déjà fait l'objet de débats auparavant. Merci, Monsieur le Président. បាទត្រឹមត្រូវហើយប្រសិនបើលោកជំទាស់ថាឯកសារប្រមាណដែលលោកគិតថាមិនចាំបាច់ឲ្យមេធាវីការពារក្តីលោកអៀងសេរីធ្វើបទបង្ហាញទេដោយមូលហេតុជាន់គ្នាលោកធ្វើបញ្ជីឲ្យបានច្បាស់លាស់មកដើម្បីឲ្យភាគីម្ខាងទៀតស្ដាប់យល់អង្គជំរះក៏ស្ដាប់យល់ដែរដើម្បីឈានដល់ការសម្រេចលើបញ្ហានេះឲ្យបានច្បាស់លាស់ បើគាត់ទៅលោកគាត់និយាយរួមចឹងតើមានមូលដ្ឋានអីដើម្បីសម្រេចនោះនិយាយឲ្យច្បាស់លាស់ទៅទេ24ឬក៏ 24អីខ្លះដែលមានអត្តសញ្ញាណឯកសារដែលជាន់គ្នាជាបញ្ជីមកដើម្បីឲ្យគាត់ឆ្លើយតបដោះស្រាយលើបញ្ហាជំទាស់នេះជាមុនសិនថាតើជំទាស់មិនត្រឹមត្រូវឬមិនត្រឹមត្រូវដើម្បីឲ្យខាង ភាគីដែលត្រូវស្នើសុំបង្ហាញឯកសារនឹងត្រូវបង្ហាញឯកសារទាំងមូលទាំងតាមការស្នើសុំឬក៏បង្ហាញនៅក្នុងកម្រិតមួយដែលអង្គជំរះនឹងសម្រេចតាមសំណើសុំរបស់លោកលោកគាត់និយាយជារួមហើយអត់ដឹងថាឯកសារណាខ្លះផង Merci. En fait, j'avais demandé l'autorisation pour le faire, Je vais procéder assez rapidement et par ordre, selon le tableau qui nous a été transmis par la Défense. Le premier document qui peut poser une difficulté, c'est le deuxième qui figure sur le tableau qui nous a été transmis par e-mail ce matin. C'est le document D108-28-48. Ce document a déjà un numéro de E3-1750. Et il a été présenté déjà à certains témoins, notamment M. Miss Fern, à l'audience du 8 octobre 2012 par le juge Lavergne. C'est dans la transcription de l'audience E1-1.1. D108-31.28. En réalité, il s'agit dans ce cas-là d'une autre version d'un document qui a déjà fait l'objet du débat. C'est exactement le même document. Et ce document est le D108-7.3. Il a reçu une cote E3-1.049. Suite au débat de l'année dernière. Ensuite, comme l'a bien souligné la défense de Yang Sari, il y a un certain nombre de déclarations de témoins qui figurent dans cette liste. La première déclaration de témoins qui doit faire l'objet d'une audience séparée, c'est D125-97.
Ce sont les quatre documents qui commencent par D199-26.2.209. Il était sur la liste hier, l'annexe 2A, dont on a débattu, qui porte le numéro E223-2-1.2. Et il porte le numéro 7 de cette liste. Il n'est pas utile, évidemment, de revenir dessus, puisqu'on en a déjà parlé hier. Le deuxième de ces documents est D199-26.2-1.9. C'est la même situation. Et sur l'annexe dont on a parlé hier, il porte le numéro 8. Ensuite, a été débattu hier, il porte le numéro 11 de la même liste, la même annexe 2A. Puis nous avons deux autres déclarations de témoins devant les juges d'instruction. Il s'agit de D232-65. C'est le témoin TCW-389. Ensuite, D233-8, c'est le témoin 7, le témoin TCW-796. Donc, ces deux témoignages feront l'objet d'une audience séparée. Puis nous avons un document ce document possède un numéro de E3-1765, mais aussi une autre code, D366-7.1.157. En réalité, ce document figure sur notre liste de documents de juillet 2011, c'est-à-dire le document E109-4.1, à l'annexe 2 au numéro 16 de cette annexe 2. Il a fait l'objet de débats en janvier 2012 et je ferai remarquer que le document qui est listé sur la liste de la défense, c'est-à-dire D269-9-1.16, est absolument identique au document D366-7.1.57. Et donc les numéros E3 ont été attribués par la Chambre à la suite de sa décision E185 d'avril 2012. Au numéro 20 de la liste de la défense de Yingseri, on trouve le numéro D299-1.15R. En réalité, ce document s'est déjà vu attribuer un numéro de E3. Il s'agit de E3-3091R. Ce document figure
sur notre liste de juillet 2011, Le numéro 150 pour donner un numéro de E3 à la suite du débat qui ont eu lieu en mars 2012 et par la décision de la Chambre portant la référence E185.1. Au numéro 23 de la liste de la défense de l'Ex-Série, on trouve le document D304.1.3. Ce document figure tel quel sur notre liste de juillet 2011, E109.4.1, à l'annexe 12, au numéro 555, s'agissant là aussi d'une déclaration d'une personne individuelle, même si ce n'est pas devant les juges d'instruction, elle devrait faire l'objet de débats séparés, comme pour tous les documents qui relèvent de l'annexe 12 ainsi que de l'annexe 13 de notre liste de documents de juillet 2011. Ensuite, il y a 8 documents qui ont encore fait l'objet de débats hier, et je vais simplement lire les cotes ainsi que les références, le numéro d'ordre qui apparaît sur la liste, l'annexe A, que nous avons débattu hier. Donc le premier document, le document D313-1.2.65. Il figure sur le tableau dont nous avons débattu hier, E223-2.1.13. Ensuite, le document D365-1.10 a été débattu hier également. Il figure à la même annexe. Figure au numéro 21 de l'annexe A dont on a parlé hier. Le document D365-1.1.2.3 figure également à l'annexe dont nous avons débattu hier au numéro 23, annexe A. Toujours portant la référence E223-2.1.D365-1.1.28, figure numéro 26 de cette même annexe A. D365-1.1.3, figure numéro 17 de l'annexe dont nous avons débattu hier. Et enfin, D365-1.1.34, figure numéro 27 de l'annexe dont nous avons débattu hier. Et encore quelques autres documents qui ont déjà fait l'objet de débat. Le premier, c'est une déclaration d'un témoin D369-6, celui-là n'a pas fait l'objet de débat, mais doit faire l'objet de nous séparer. Figure également à l'annexe 12, au numéro 189 de notre liste de documents E109-4.1. Je constate dans la liste qui nous a été donnée aujourd'hui que la défense d'Ex-Série a retiré un document qui était le D108-4.1 ou E308-4.0, et donc il ne fait plus partie de la liste des documents qui seront débattus cet après-midi. Et en reste alors trois. Le premier, c'est le document qui porte la référence IS 13.1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 .
IS 13.30 qui porte la cote E3/800. Il s'agit d'un document dont on a déjà débattu à l'audience de mi-janvier 2012, qui figure sur notre annexe, sur notre liste de documents E109/4.1. C'est l'annexe 3, numéro 40. Notre décision E185 d'avril 2012 a déjà D248/6.1.5. Un numéro E3 a été donné, ce numéro E3/822. Ce document figure sur notre liste de documents de juillet 2011, à l'annexe 3 au numéro 41, sous la référence d'un témoin, TCW 5, qui porte la référence IS 19.71, également la référence D.66/7.5.8.0. Ce document fait partie de l'annexe 12 au numéro 488, donc 488 de notre liste de documents E90.4.1. Mais comme je l'ai dit, au même titre que les autres déclarations de témoins, il devrait faire l'objet de débats séparés. Voilà, j'en ai terminé avec cette liste un peu fastidieuse, Monsieur le Président, mais je pense utile pour les débats. Je me serais manifesté, Monsieur le Président, si j'avais autorisé, si j'avais été autorisé, mais je voulais simplement faire une remarque préalable et avoir une clarification avant que notre confrère de défense fasse aux objections de mon rapport, parce que j'ai le sentiment que considère comme une évidence qu'il est autorisé à déposer des objections vers la Chambre, à quelques délais qui durent suffisamment longtemps et nous ne gérons pas ក្រុមមេធាវីខេត្តស្វាយរៀងនិយាយថានឹងផ្ដល់របៀបធ្វើទៅដល់ក្រុមមេធាវីខេត្តស្វាយរៀងនិយាយថានឹងផ្ដល់របៀបធ្វើទៅដល់ក្រុមមេធាវីខេត្តស្វាយរៀងនិយាយថានឹងផ្ដល់របៀបធ្វើទៅដល់ក្រុមមេធាវីខេត្តស្វាយរៀងនិយាយថានឹងផ្ដល់របៀបធ្វើទៅដល់ក្រុមមេធាវីខេត្តស្វាយរៀងនិយាយថានឹងផ្ដល់របៀបធ្វើទៅដល់ក្រុមមេធាវីខេត្តស្វាយរៀងនិយាយថានឹងផ្ដល់របៀបធ្វើទៅដល់ក្រុមមេធាវីខេត្តស្វាយរៀងនិយា
Thank you, Mr. President. It's my understanding that the prosecution had the list of documents that were 54 documents as of yesterday. No complaints were raised at the time. And what was indicated earlier, there may be some overlap. We could upon ourselves to go through the paragraphs dealing with the first and try to be as diligent as possibly could to identify what we thought were the documents that have been discussed, not been committed. So to the extent that we have listed here for our presentation, which was, I should say, although it's not an excuse, put together in a rather rushed manner, we said that we have an overlapping document, we apologize. But be that as it may, we firmly submit that our presentation is based on topics. And of course, in the future, if the prosecution, especially this particular prosecution, is so concerned about time, then it would be useful if in advance they see that we have presented, we are in error, and they have sufficient time to point the error to us. So we would gladly look at those submissions. And so as not to waste anybody's time. As for the civil party, yesterday, I believe she was here. I thought I saw her here. I thought I saw her here, what I had to say concerning our written submission. And I believe in the past we have submitted written submissions, and I don't recall ever hearing her. Again, we apologize if we have to amend anyone's time.
Some cock show.